Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Spider-Man. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la série vous plaît, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Allez, c'est parti pour la suite. Et si je pouvais trouver quelque chose sur Michael sur Scorp? Oui, ça serait pas mal. Du coup... j'ai encore énormément de choses à faire sur les immeubles, sur... etc... enfin, toutes les missions secondaires. Est-ce qu'on peut faire... alors, je vais ouvrir l'appareil photo. Est-ce qu'on peut trouver l'immeuble? Un groupe de terroristes extermine des citoyens américains dans une attaque à la bombe. Comment se fait-il qu'au lieu d'être réduits à néant, ces criminels masqués soient toujours en liberté et s'en prennent à des innocents jusque dans leur foyer, comme le directeur financier d'Oscorp, Charles Standish, hein? Vous écoutez J. Jonah Jameson. Ouais, en fait, mon cousin est gardien de prison, et il dit que les démons qu'ils ont arrêtés refusent complètement de parler. Ils restent muets, même avec leurs avocats. Ça renforce mon inquiétude vis-à-vis de ces démons. Ce ne sont pas des criminels ordinaires. Peut-être même pas des terroristes ordinaires, bien qu'ils commettent incontestablement des actes terroristes. Moi, à vrai dire, je les vois de plus en plus comme une secte. Vous plaisantez? Ces gars-là sont complètement dingues. Ils sont prêts à tout. C'est effrayant, hein? Est-ce que cela veut dire qu'on doit vivre dans la peur? Surveiller constamment ses arrières, s'attendre à une attaque d'un instant à l'autre? À mon humble avis, la réponse est... oui. Ok. Bon là j'ai fait deux trucs de monument. C'est pas mal, c'était sur la route. 10-30, attention. Des individus masqués attaquent une voiture blindée. Le signalement a eu lieu aux alentours de Nomad. Ouais, on le fera plus tard. Hein. J'ai pas envie de le faire maintenant. Il y avait une mission secondaire à faire aussi, mais j'avais vraiment pas du tout envie de la faire. On va plutôt se concentrer sur les principales. Alors, là-haut, ok, par là je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas entrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité, mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Effectivement. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Effectivement, ça va être très problématique. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas ou... les câbles du réseau. Il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. D'accord. Bah, il faut que je monte. Et voilà, un module de sécurité. Apparemment, il y en a 4 comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un œil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... pas du tout pépère, non, parce qu'au final, oui, on désactive les systèmes de sécurité, mais on a tout... bah, l'équipe SAP qui est censée travailler avec nous, qui est maintenant contre nous, en fait. Donc, c'est très bizarre, ça, en fait. On va découvrir des choses... À toutes les équipes de sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu, on poursuit l'inspection à l'extérieur. Je suis sûr qu'on va découvrir des choses qu'on devrait pas découvrir. Voilà le deuxième module. Quoi? À tout
tous les agents. Quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. D'accord. Ok, plus que deux modules. Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Donc là, on a les tireurs d'élite. Après, on va voir les drones. Ok, plus que deux modules. Enfin, on a déjà les drones. On va voir quoi après, en fait? À toutes les équipes de sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Merci, Central. Te voilà. Saloperie, il y a encore un sous-système qui nous a lâchés. Il me faut une équipe pour balayer le 85e étage extérieur. Bien reçu, Central. L'oiseau arrive. Bon, bah c'est l'hélico. Je dois y aller. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je fais vite, j'ai une piste sur l'emplacement de Charles Standish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany, alors il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. Il est là. C'est vraiment serré, hein. Voilà le dernier. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage? Pas encore. Monsieur Osborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Non, il y a que des araignées comme moi. Allez, c'est parti. J'espère qu'MJ, elle va pas faire de folie. On voit rien. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk? La statue Nio de la salle d'enchères. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MJ a trouvé. Qui a le fichier? C'est nous, Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégale, certes, mais moralement acceptable. Exactement. Norman, on sait que vous avez construit un labo secret pour le souffle du diable avec Fisk. Mais on sait pas encore où il est, ni ce que Michael sait avoir là-dedans. Bingo. GR-27. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels, mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mucoviscidose, Huntington? C'est pas croyable. Ok, ils font des expériences sur des souris. C'est flippant. Waouh! Le GR-27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Spider Pirate terminé. Alors, Pete, quoi de neuf? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point.
Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sab n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. Le joindre ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes t'y prendre ? Très très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de Sable ? Ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Quand je disais que j'espérais qu'MJ ne fasse pas de folie, bah c'est pas faire de folie. Et on n'a pas le même sens du mot. Mais on a appris vachement d'informations. Ici le central de Sable, tenez-nous au courant de la situation à David Shelf. Poste de contrôle Charlie pris pour cible par les démons. Parce que là je m'attendais pas à ça moi, personnellement. On dirait que Doc a appelé. Peter, j'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi par exemple, un esprit au potentiel illimité enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Tirer parti de notre esprit. J'avais jamais entendu le Doc aussi excité par un projet. J'espère qu'il est pas trop excité. Oups, désolé. D'accord. À toutes les unités, un témoin signale une attaque en cours. Où est-ce que tu te caches, MJ ? Oh non. 15 minutes plus tôt. Le contacter ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes le contacter ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Standish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garde. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. Oh non, MJ, tu fais que des bêtises. Ce trou dans la barrière est tentant, mais il faut d'abord que j'éloigne le garde. Les ennemis entourés d'une aura verte seront distraits par une diversion proche. Va voir ailleurs. C'était quoi ça ? D'accord, est-ce que ça va marcher ? Je dois filer. Maintenant. Ouais ! Je vais voir comment va notre invité. Bouge pas. Ok. Notre invité. Ah ouais, là c'est fermé. Ah, on peut passer par là quand même. Qu'est-ce que... Ok, on est passé. C'est quoi ? Les démons suppriment tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Standish court un grave danger. C'est bon. On se dépêche. Standish, j'en étais sûre. Il faut que j'accède à cette tente. Mais est-ce qu'il court réellement un grave danger ou est-ce qu'il est avec eux ? Parce que maintenant, je commence à me poser des questions. Oh, le nombre de gardes qu'il y a. Verrouillez aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michaels ou le souffle du diable. À vos ordres. Elle est tendue. Standy... Le générateur a grillé. Ça va pas l'occuper longtemps. Et du coup, je t'ai coupé la parole, MJ. Désolé. Mais oui, tu as raison là-dessus. Alors. Ah, là-bas. On en est où ? Le convoi est bientôt prêt ? Tout se passe comme prévu.
bien besoin d'un café, moi. Alors. Voilà. Ce camion n'a rien à faire là. Le camion va se déplacer. Je devrais me cacher derrière. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bon. Que je monte maintenant ? J'ai pas d'autre choix, hein. Charlie sont en place pour le transfert du Dr Michaels, madame. Ajoutez deux unités. Il porte le seul échantillon du souffle du diable. Je ne veux pas risquer une pandémie. Oh, non, je l'avais pas vu. Charlie sont en place pour le transfert du Dr Michaels, madame. Ajoutez deux unités. Il porte le seul échantillon du souffle du diable. Je ne veux pas risquer une pandémie. Ça, c'était pas prévu au programme. Ça a l'air important. Des planques. Si le docteur Michael se trouve dans l'une d'elles, Standish sait peut-être laquelle. Je devrais prendre encore une photo. Parfait. Faut que je bouge. C'est la tente de Standish. C'est dingue que Michael se trimballe avec le souffle du diable. Osborne refuse de le confier à quelqu'un d'autre. J'espère que son ego lui pètera pas à la tronche ou à la nôtre. C'est la tente de Standish. C'est dingue que Michael. Ok, on est passé. Oh, on est presque. J'y suis presque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était chaud. Centrale, sans rapport. Rien à signaler. Charles Standish ? Oh non ! Charles, où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça ? Non. S'il veut me tuer, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste.
et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grand Central. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi, Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? C'était... Qu'est-ce que... Charles ! Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, faut y aller. Non, attends ! Il a une info ! Pas d'invitation terminée. Ouais, c'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. MJ est pas contente. Ah non, elle est vraiment pas contente du tout. Et au fait, une dernière chose. Désolé Charlie, t'assommes un mec, tu piétines mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire c'est « Désolé Charlie ». Tu transformes tout en blague, c'est ça ? Quoi ? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère ? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu ? Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés. Tu sais quoi ? On peut changer de sujet, là, maintenant ? S'il te plaît ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels ? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Bowery. Sable le transfère ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker. Ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. Eh oui, t'as gravement merdé. La vache, je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. Explorer la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Yes. On va faire le petit monument qu'il y a là. Mais ouais, t'as gravement merdé, Parker. On exige la remise en liberté de nos frères en voyant plus loin après l'hôtel de ville. Nos frères ont absolument rien à se reprocher. Ils se battent pour un monde meilleur. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. On se conformera pas à vos lois perverties. Donc allez, Spidey. Allez. Oui, c'est gravement mal. C'est la mère de Mike. Allô ? Monsieur Parker, c'est Rio Morales. Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, c'est... Ça ira mieux à quelqu'un de plus beau que moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça et une séance de thérapie. Il a besoin d'agir. Il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends, je suis pareil. J'en parlerai à Tante May. Je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Tu m'étonnes. Ça a strictement rien fait.
Ce serait sympa qu'il lève le pied sur les otages. Ça serait sympa. Ouais, c'était vachement compliqué là pour le coup. Alors, on a un petit monument à faire ici. Si j'y arrive, bien sûr. Peter, je m'apprête à lancer un nouveau test là. Où es-tu ? Ah, désolé. Une panne de bus et aucun taxi disponible. Mais j'arrive dès que je peux. Ça marche. Sur ce, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like ou un commentaire. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.